to your favorite modern world. Vous ai-je déjà dit que Playing Ordinary People était mon album préféré du groupe Anasazi? Oui, sans doute. Il est sorti le 11 avril 2011, et d'après moi, il possède un je ne sais quoi de The Incident de Porcupine Tree, qui lui aussi est mon album favori de la bande à Wilson. Pour les 20 ans du groupe, Mathieu, l'homme derrière ce projet, a sorti une version symphonique d'un des plus beaux morceaux de cet album, Shine a Light, un titre qui me prend à chaque fois aux tripes lorsque je l'écoute. Je possède l'album Playing Ordinary People dans deux éditions. Le Digipack offert par Mathieu lorsqu'il a signé avec un label la réédition du disque, ainsi que le boîtier cristal que j'avais commandé avant sa sortie. Bien évidemment, lorsque j'ai entendu la version 2024 de Shine a Light, je n'ai pu résister à l'envie de vous en parler ici. Le morceau, initialement long de 9 minutes, gagne ici 75 secondes, une orchestration symphonique et un solo de guitare signé Tristan Klein. Hélas, il a perdu son contrepoint final avec la voix de Delphine Paulet. Ce qui était à l'origine un titre relativement épuré où la voix granuleuse de Mathieu prenait presque tout l'espace, se transforme en une pièce orchestrale cinématique. Un arrangement orchestral que l'on doit à Mathieu Vermorel. Un morceau qui prend le temps de respirer sur un solo de guitare et s'ouvre comme un générique de grande production hollywoodienne. Tout commence donc par une ouverture symphonique de plus d'une minute entre grandiloquence et douceur, riche de cuivre, de vent comme de cordes. Cette orchestration se poursuit sur le chant de Mathieu. Les instruments électriques ne s'invitent sur la partition qu'au bout de 4 minutes, lançant le long solo de guitare de plus de 130 secondes. Le chant reprend de plus belle sur le refrain en apothéose symphonique et de chœur. J'aime beaucoup cette version symphonique de Shine a Light, même si la toute première reste ma préférée pour des raisons sentimentales. Je salue Anasazi pour s'être lancé dans cette audacieuse aventure, car passer d'une partition de rock alternative à celle d'un orchestre philharmonique, même avec des banques de sons, c'est un sacré challenge. Cela pourrait peut-être donner des idées à Mathieu pour les compositions de son prochain EP, qui sait. Les deux versions sont sur Bandcamp, qui, non, ne sponsorise pas Chronique en Images, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer. Je ne peux que vous encourager à les écouter. Et si vous ne connaissez pas encore Anasazi, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire, d'autant que Mathieu a mis en ligne les premiers efforts du groupe, dont The Principles of Eight, avec lequel j'ai découvert leur travail en 2006. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle découverte. D'ici là, écoutez de la musique et soutenez les artistes en allant à leurs concerts. Vous pouvez cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo, et si vous voulez suivre les autres, abonnez-vous. Bisous !